Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Aujourd'hui, oui, on se dirige du côté de Disney Springs pour découvrir le restaurant Deluxe Burger. Mais ça va être un épisode un peu spécial qui va faire suite à un précédent podcast où Jean-Philippe, Paul et Stéphane faisaient un retour de leur appréciation sur plusieurs restaurants du Walt Disney World. Si vous l'avez pas vu, c'est l'épisode 559, donc vous irez y jeter un petit coup d'œil. Quoique c'est un podcast audio, donc vous irez plutôt y tendre l'oreille. Donc, dans le lot de restaurants qui a passé, il y en avait un à service rapide qui a été abordé par Paul et que, personnellement, je trouvais intéressant d'en faire encore plus d'emphase car je trouve qu'il n'a pas été vendu à sa juste valeur en restant plutôt sommaire concernant la nourriture qu'on y retrouve. Donc oui, les burgers vont assouvir plus que suffisamment votre fringale, en plus que leur goût soit juste parfait. Mais on a aussi des gourmandises dans le menu qui n'ont pas été soulevées et qui pourtant sont exceptionnellement bonnes. Alors aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble le bon, l'excellent, le savoureux Deluxe Burger. Alors sans plus tarder, j'ai dit tantôt qu'on se retrouvait à Disney Springs, mais pour vous situer un peu, car du restaurant, voire même du très bon restaurant, il y en a au pied carré là-bas, on est dans la section Town Center et pour faire simple, là où on a notre source d'eau, notre fameuse spring, c'est là où se retrouve le Deluxe Burger, et juste à côté du Welcome Center. Et puisqu'on est en bordure de l'eau, le paysage y est magnifique de jour comme de soir lorsqu'on mange sur les terrasses à l'extérieur. On voit le soleil se coucher, les lanternes flottantes s'illuminer. Même si vous mangez pas à ce restaurant-là, prenez le temps d'aller voir ça si vous passez à Disney Springs. À l'intérieur aussi, ça a bien sûr son charme. C'est vraiment un environnement chaleureux. On a beaucoup d'utilisation de bois dans le design, quelque chose de campagnard. Non, ça fait vraiment penser à un ranch avec plusieurs photos puis artefacts accrochés au mur. C'est vraiment très bien comme ambiance. Mais ce qui devrait vous intéresser particulièrement, c'est son menu. Pour les amateurs de burgers, attention, c'est du solide. On commence quand même simplement, mais les classiques restent les classiques avec... Et oui, le cheeseburger classique, avec cheddar, laitue, tomate et cornichon. Ceci étant dit, ajoutons un peu de piquant là-dedans, et ce dans tous les sens du terme, car on y va avec le El Diablo Burger. Notre fromage c'est du pepper jack, on a du chorizo, des piments ballons frits, de la laitue, des tomates et une mayonnaise au chipotle, style sud-ouest. Donc oui, c'est un peu plus épicé, mais c'est pas des jalapenos non plus qu'il y a dans les burgers, donc à mon goût c'est juste parfait. Mais en même temps, c'est vrai que je suis amateur de piquant, donc je suis peut-être pas la référence la plus objective. Et le pire, c'est que je serai pas plus objectif sur le prochain burger, car on y va tout de suite avec le hamburger barbecue, comprenant fromage goudois fumé, une rondelle d'oignon, du bacon, toujours de la laitue, mais là où mon appréciation est trompée un peu, c'est sur la sauce barbecue. T'sais, ils l'ont assez dit dans le podcast, je vais pas le répéter ici. Donc moi, mon premier restaurant que je vais vous parler, c'est à Disney Springs, c'est le Deluxe Burger. C'est un super bon restaurant qu'on parle pas souvent, parce qu'on parle peut-être trop souvent du Polite Pig. Pas qu'on en parle trop souvent, parce qu'il est vraiment écœurant, ce restaurant-là. Oui. Mais justement, il éclipse peut-être les autres alentours qui sont vraiment bons. Fait que non, c'est vraiment une belle, pas une découverte là, parce que j'étais déjà allé là, mais c'est vraiment une belle option si on veut pas manger toujours au Polite Pig à chaque fois qu'on va à Disney Springs. Puis tu parlais de que ça fait une option pour pas aller toujours manger au Polite Pig, mais moi quand j'étais allé justement il y a deux semaines, j'ai pris une petite marche et là ça s'est mis à sentir le Polite Pig. Alors finalement j'ai mangé au Polite Pig, donc j'ai pas mangé au Homecoming qui est encore sur ma bucket list malheureusement. Donc c'est ça. Mais le Polite Pig était excellent par contre. De toute façon, il faut pas que la vidée la bucket list, ça marche non, pas. Non, s'il te plaît ça. Par contre, mon premier resto que moi je voulais parler, c'est pas le Polite Pig parce qu'on en parle quand même assez souvent. Non mais c'est pas une assiette. Dis-le Paul qui était allé au Polite Pig, là, une couple de jours avant, là, pis que ça a comme tout changé. Ben là, c'est ça. Là, je me rétracte sur l'épisode qu'on a enregistré la semaine passée. OK. Mon père m'a corrigé. On n'était pas allé avant. On est allé comme le lendemain. Fait que le lendemain midi, fait que j'avais même pas été au Polite Pig avant. Fait que c'est même pas ça le problème. Fait que non, c'est vrai que si on va au Polite Pig avant, la comparaison peut être assez difficile avec le Flame True Barbecue, même si habituellement c'est super bon. Tu sais, tout est quand même ben correct. C'est juste qu'encore une fois, on revient au Polite Pig. Ben parce que c'est un peu le même genre, tu sais, de nourriture. Fait que, tu sais, tu finis par comparer. J'étais allé la veille. Puis, tu sais, ça se compare pas, là. C'est même pas dans la même classe. Surtout que, tu sais, justement, quand on va au Polite Pig, tu prends du brisket, tu prends du porc effiloché, tu prends des côtes levées.
ça va tout goûter quelque chose de différent là. Ok, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je pense qu'on a faim déjà. Hey, on a réussi à pas parler du Spotlight Pig. Ouais, c'est ça, ouais, il faut le noter quand même. On n'a pas parlé une seule fois du Spotlight Pig dans une heure et plus d'épisodes à parler de bouffe. On a même parlé de Disney Springs en plus à une ou deux occasions. Puis, my god. Félicitations, Paul. Ouais, petit. C'est bon. Où est-ce qu'on était là? Ah oui, dans le menu du Deluxe Burger. Donc, le prochain burger se nomme le classique du Sud. Fromage pimento, tomates vertes frites, laitue et bacon. Voyez-vous, lui, il me fait penser un peu au sandwich que j'ai parlé dans le tout dernier vidéo de manger, dormir, dîner sur le Sunset Ranch Market. Donc, vous irez le voir après, si ça vous dit. Il nous en reste donc deux et on quitte le bœuf comme base du burger. D'une part, on a le sandwich au poulet buffalo avec sa poitrine de poulet frite. Une excellente sauce buffalo, donc assez piquante. Et bien sûr, laitue tomate. Et de l'autre part, on a le veggie burger avec sauce tzatziki. Bon, de même, je pense que ça ne dit rien à personne, mais c'est une sauce avec yogourt, concombre, ail et huile d'olive. Sinon, ce qui est spécial, c'est que, oui, en plus de retrouver notre laitue et tomate, il y a des feuilles vertes dans le burger. J'avais pas le choix d'essayer ça la dernière fois que je suis allé, parce que ça sonne étrange d'avoir nos fameux légumes de saison, mais cette fois-ci directement dans un burger. Mais je sais pas comment, mais ça marche. Le goût des haricots est pas trop prononcé, puis la boulette végétarienne... Wow, tu sais, j'ai jamais goûté quelque chose qui ressemble autant à de la viande que ça. C'est aussi vraiment un excellent choix. Donc, côté menu enfant, on a deux options burger. Un cheeseburger et un au poulet grillé. Donc, faites-vous en pas, c'est pas le même que celui adulte avec de la sauce buffalo. Donc, quelque chose de beaucoup plus passe-partout pour les enfants, là, tout comme les croquettes de poulet qui apparemment sont excellentes et tellement excellentes qu'on les retrouve désormais dans le menu adulte également. Bon, j'ai quelques spécificités par rapport à tout ça. Premièrement, pour tous les burgers, vous pouvez choisir votre cuisson. C'est assez bien, ça. C'est comme adapté à tous les goûts, puis en même temps, ça nous donne une garantie de la fraîcheur et la qualité des produits qu'on y offre. Donc, et parlant de produits de qualité, les frites qu'on y sert, c'est tellement bon. Vous l'avez entendu dans le podcast, on a un bar à sauce pour y tremper nos frites. Puis bien, j'ai la liste juste ici des saveurs. Donc, on a soit trois moutardes des miel, ranch à l'ail, ketchup au curry, mayonnaise au chipotle, réfort, ou sinon encore, on a de la sauce buffalo. Donc, je vous dis, vous n'aurez jamais mangé un burger avec des frites aussi bon que celui-là dans toute votre vie. Puis le mieux là-dedans, c'est que les prix sont quand même assez raisonnables. Tu sais, les burgers sont tous entre 10 et 14 $ américains. Donc oui, un peu plus cher que les burgers habituels qu'on retrouve à Walt Disney World. Mais ceux-là sont bien plus gros. On a une portion d'excellentes frites incluses. Et veux pas, c'est des burgers gourmets, spécialisés avec des ingrédients locaux. Donc je pense que ça vaut tout à fait la peine, d'autant plus avec un crédit quick service de votre dining plan. Mais là, une chose dont je suis un peu déçu qui n'a pas été mentionnée dans le podcast, c'est toutes les boissons spécialisées qu'on y retrouve. Bon oui, on a des boissons alcoolisées de toutes sortes, que ce soit des frappés, au gelato, au rhum et bacon. Assez spécial. Tu sais, rendu là, quand on va être aux bières spécialisées, est-ce qu'on va avoir une bière blanche à saveur de banane et de clou de girofle? Mais non, tu sais, ça se peut pas, c'est... Attends, quoi? Ok, ils ont dépassé mes limites, là. Non, les boissons spécialisées que je veux vous parler sont les frappés au gelato sans alcool, donc bon pour toute la famille. Et c'est un succès garanti pour tout le monde, ça c'est sûr. On a des saveurs plus classiques, comme à la vanille, au chocolat ou biscuit et crème. Mais on a également au caramel salé, à saveur de gâteau, mais attention aussi, un aux s'mores. Et c'est quelque chose. Non seulement tout est confectionné et brassé sur place au moment où vous le commandez, mais spécialement pour le frapper aux s'mores, le goût de guimauve est comme s'il avait été comme fraîchement grillé, mais tout ça en boisson rafraîchissante. Donc pour vrai, c'est magique. J'en ai goûté à quelques reprises, puis c'est très 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 savoureux. Oui, c'est riche, très gourmand, mais faites-vous plaisir. Si vous êtes en soirée à Disney Springs, arrêtez-vous au Deluxe Burger, prenez-vous une boisson frappée artisanale de votre choix et relaxez à profiter de l'ambiance chaleureuse du lieu. Vous n'aurez pas un meilleur moment que ça, je vous le garantis. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Manger, Dormir, Disney. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de restaurants ou hôtels que vous voulez connaître davantage, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Pour un prochain voyage vers une destination Disney, n'hésitez pas à visiter notre tout nouveau site web au wdworld.com. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Destination WDW pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pensez faire un tour du côté de Disney une soirée animée pour découvrir encore plus de contenu Disney. À la prochaine tout le monde!
Ah oui, j'oubliais, mais là, il faut pas le dire trop fort, car c'est un secret, du moins ce que l'on peut voir sur le site de Disney. Mais en utilisant la commande mobile, vous aurez le droit à beaucoup plus de choix au menu. Et c'est tout aussi bon, là. On a un burger au bacon et fromage bleu, un BLT, ou encore une saveur exclusive de frappé artisanal au gelato, saveur de gâteau sablé aux fraises. Si ça vous parle, pensez à la commande mobile, mais chut, c'est un secret.